The Greek ship owners have the biggest merchant fleet in the world. The sector is about twice the size of the tourist industry and makes billions. Not that the Greeks benefit from it. The ship owners have always enjoyed a de facto tax exemption. This is a myth. All shipping companies of planet Earth pay taxes in a special way so as to keep their competitiveness. The same with Greece. The Greek owners as persons, they pay the taxes as everybody else. Nice try, Nikos. The elites of Greece are one of the most successful elites of all Europe. They've managed to avoid paying taxes more so than any other elite, I think, since 1945. Now, you're probably thinking this is mostly a Greek thing. However, an elite that barely pays taxes is a reality for all of Europe. Since the 80s, a real fiscal revolution has taken over the continent. The big entrepreneurs, the investors, and the super-rich have been contributing less and less. And there is a philosophy to it. The idea that if we allow the super-rich to make money more easily, somehow everyone will benefit. A little bit like magic, prosperity would settle over our whole society like manna from heaven. But the facts show that this theory makes absolutely no sense. Une des raisons fondamentales de l'augmentation de la dette dans la majorité des pays européens est liée à une politique fiscale qui a été mise en place début des années 80 et qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Cette politique fiscale consistait en quoi ? Elle consistait essentiellement à faire toute une série de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux riches, c'est-à-dire aux détenteurs de capitaux. In 1980, the official Belgian corporation tax was still 48%. That rate was systematically lowered. By 2003, it was down to the current 33.99%. But that is only the official tax rate. All loopholes considered, companies pay a lot less than that. In 2001, the actual average rate was 19.9%. And that, too, has gone down. In 2010, the actual rate was only 12.5% on average. The 1,000 most profitable companies in Belgium pay even less. On average, they pay under 5% in corporation taxes. Over the last 30 years, we've seen a dramatic evolution. All European countries have competed against each other for the lowest rate. En dat betekent dat de overheden overal miljoenen euro's minder inkomsten hebben. Die dan moeten bespaard worden door het afschaffen van busritten, door het besparen op treinen, door het besparen in de gezondheidszorg en zo verder. Dus dat heeft enorme grote maatschappelijke schade, die legale of semi-legale belastingsontwijking die men zelf heeft georganiseerd. Marco van Hees is the thorn in the side of the super-rich and the multinationals. Through his research, he uncovers their deepest fiscal secrets. Nous sommes ici au quartier Prince d'Orange à Uccle, qui est le quartier le plus riche de Bruxelles, et où sont concentrées vraiment toutes les grandes fortunes belges ou étrangères. Il y a aussi pas mal d'exilés fiscaux français qui habitent ici. En matière de cadeaux aux plus riches et aux multinationales, la Belgique est vraiment très loin. On a poussé très loin cette logique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque chose d'européen, même d'international. C'est tout ce qui est la concurrence fiscale. Donc les multinationales peuvent faire ce qu'on appelle un shopping fiscal. Donc c'est aller chercher dans chaque pays les règles qui sont les meilleures pour elles, pour leur profit en tout cas. Et donc cette concurrence fiscale, quelque part, est terrible pour les finances publiques de tous les pays. Et lorsque les finances publiques de tous les pays sont mises à mal, évidemment, les premières victimes, ce sont les populations. Nous sommes devant la maison de Didier Reynders, qui a été pendant de nombreuses années le ministre des Finances en Belgique. Et qui à ce titre a accordé de nombreux cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales, dont les fameux intérêts notionnels.
Bien, finalement, le fait de se retrouver ici dans le quartier où se trouvent les plus riches qu'il a servi, dans une fiction, on n'oserait pas mettre quelque chose comme ça. Et finalement, la réalité dépasse la fiction. J'ai servi mes amis les plus riches et maintenant, je viens m'installer près de chez eux. Nous sommes devant la villa que Maurice Lippens possède ici à Uccle. Et donc Maurice Lippens, c'est l'ancien président de la banque Fortis, hein, qui était la première banque de Belgique, mais que le gouvernement belge a dû sauver en 2008, sauver de la faillite. Et c'est une banque qui était présente dans de nombreux paradis fiscaux. Donc c'était même la numéro 1 en Belgique des sociétés qui avaient des filiales dans des paradis fiscaux. Presque 400 filiales dans des paradis fiscaux, donc c'était vraiment énorme. Et aujourd'hui, elle a été reprise par la banque française BNP Paribas, qui est en France la banque qui a le plus de filiales dans des paradis fiscaux. La Belgique n'est pas une exception, donc c'est partout, les riches dans tous les pays où les multinationales ont des filiales dans les paradis fiscaux, travaillent avec des paradis fiscaux. C'est quelque chose qui est normal. Le but d'un chef d'entreprise, c'est de faire le plus de profit possible et ça passe notamment par recourir aux paradis fiscaux. C'est M. Mervyn King qui était à la tête de la Banque d'Angleterre. Quand on lui demandait quelle est la différence entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, il a dit l'épaisseur d'un mur de prison. C'était très simple, c'est très facile à comprendre. L'optimisation fiscale, vous payez des avocats jusqu'à ce qu'ils trouvent le moyen de tricher avec la loi. C'est exactement ça, comme cette manière-là que ça fonctionne. But before tax authorities can be considered, wealth must be created. In 1981, 74% of our yearly created wealth returned to the working people. By 2012, this number sank to 49% in favor of capital and corporate profit. The rich keep the profit of our rising productivity in their own pockets. Our wealth has been hoarded by a small elite. In the year 2000, the 25 richest families in Belgium were sitting on a capital of 10 billion euros. By 2012, that amount rose to almost 52 billion. In 12 years, their shared wealth increased fivefold. On a global scale, it is even more dramatic. Half a percentage of the world population owns 38.5% of all wealth. In the middle of the crisis, their fortune increased by a third. Les hommes politiques accordent toutes sortes de cadeaux aux plus riches, aux multinationales, avec la logique que c'est eux qui créent la richesse et que donc, voilà, plus on a de richesse, plus l'ensemble de la population va en profiter. Et donc cette logique, je pense, est manifestement fausse parce que d'abord, ce sont d'abord les travailleurs qui créent la richesse, mais indépendamment de ce fait-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une concentration de plus en plus forte de la richesse dans les mains de quelques individus. Voilà, donc on est dans une logique où cet écart dans le niveau des richesses est elle-même un facteur de crise. Quand l'argent est trop concentré, on ne peut plus le mettre à faire des nouvelles usines. Elles vont produire des produits, mais il n'y a plus de pouvoir d'achat chez les autres. On ne peut pas le produire, on aura surproduction. Alors, il y a tout cet argent qui est là, qu'on ne peut plus investir dans les usines pour produire des produits. Qu'est-ce qu'il va faire? On a une invention extraordinaire. On va faire des paris avec ça. Paris sur les fluctuations de prix, c'est ça qu'on fait. Et tous les gens disent, oui, c'est de l'investissement. Ce n'est pas de l'investissement, ça n'a plus rien à voir avec l'investissement. Ce sont des paris purs et simples. Et à ce moment-là, on a cet effondrement parce qu'il y a ce déséquilibre total, cette machine à concentrer la richesse qui fait que la richesse est là, mais elle sert uniquement à spéculer, à parier sur l'évolution des prix. Die massa's slapend kapitaal van die halve à 1% oververmogenden die jarenlang dat geld uit de samenleving hebben weggetrokken, die moeten terug naar de samenleving gebracht worden. En dat moet je doen met een serieuze vermogensbelasting, liefst in heel Europa. In België heeft men enquête na enquête gehouden waaruit blijkt dat 80% van de Belgische bevolking achter een miljonairstax staat als maatregel. Maar men voert dat toch niet door. En dan kom je in hetzelfde verhaal als bij de banken.
Namelijk, het is dezelfde kleine wereld van ons kent ons die beslist dat dat soort maatregelen niet kan, die beslist dat men niet de politieke moed mag hebben om die allerrijkste klasse van de samenleving aan te spreken. The European Union is the union of competition and inequality. In the next episode, we'll discover how Germany spearheaded that.